Le marché est très bien réorganisé, très agréable. Notre marché couvert s'est refait une beauté. Davantage qu'un slogan, il s'agit bien d'une réalité. Inauguré en grande pompe, ce lieu mythique du cœur de la ville d'Agen reste un pôle majeur en termes d'alimentation. On avait l'arrivée de nouveaux commerçants qui a impulsé une nouvelle dynamique et la municipalité a voulu l'accompagner en effectuant quelques travaux de rénovation pour pouvoir trouver une harmonie, une convivialité qu'il n'y avait pas forcément dans ce marché. C'est vrai que le marché couvert est une belle vitrine pour ça. Entouré de bons professionnels, on a estimé que c'était un beau challenge à relever. Les clients ont été sensibles à la qualité de nos produits et sont revenus rapidement. Donc je pense qu'on est sur un bon démarrage et qui reste à confirmer bien sûr, mais pour l'instant on est très optimiste. Alors vous voulez des carottes fanes ou en braque? C'est un peu plus tendre, mais elles sont bien ça. Hein, mais là il y a le nouveau dynamisme parce que nous ça a été rénové là, il y a 6 mois. Moi, on m'a changé de place, alors automatiquement, je suis mieux placé. Le marché, on a un peu plus de monde. On a une clientèle jeune le week-end. Non, vraiment, on est vraiment contents et tous. Ben écoutez, c'est une très bonne chose pour les commerçants, pour les clients. C'est agréable, on a plaisir à y venir. Les travaux d'embellissement réalisés concourent à une meilleure organisation et à toujours plus de convivialité. On a monté des murs, si vous voyez, entre les étals, pour vraiment donner une impression de convivialité, de petits chalets. On a également mis en place une charte graphique avec des enseignes identiques et des codes couleurs en fonction des activités. Pareil, toujours dans cette idée d'harmoniser. On a mis un petit coup de peinture. On va poser également des manches de boue pour qu'il y ait aussi cette convivialité dans le marché, que les gens puissent acheter des produits et les déguster sur place. La seconde étape consistera à embellir la façade ouest, la façade qui donne sur la place des laitiers. Également, nous allons faire des travaux au niveau des locaux techniques. Également, un travail sur le sol, le plafond, la clim, pour vraiment faire monter en gamme ce marché. Mais ici, en 1975, c'était un vieux marché, pas du tout isolé. Il y faisait très chaud l'été, très froid l'hiver. C'est mieux, c'est plus propre, c'est plus neuf, ça met un petit coup d'énergie quoi, dans le marché. Quoi. On est très contents, vraiment c'est un marché qui décolle, les clients reviennent, beaucoup de fidélisation, beaucoup de découvertes. On va au contact du client, donc voilà. Étant donné qu'il y a davantage de commerce, il y a davantage de personnes, donc c'est un vrai marché. Ben aujourd'hui c'est très bien, je trouve très bien. C'est très agréable, c'est propre. On croit vraiment que le marché couvert, avec ses commerçants, avec ses places de stationnement, avec son carrefour, est une locomotive pour le centre-ville. Et donc cette locomotive, il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'on effectue la maintenance régulièrement pour que ça fasse battre notre centre-ville.